Ah, ils viennent de s'élancer pour le prix de l'avenir, une course plate pour Poulain et Pouliche de 3 ans, autre que pur sang. 2400 mètres à parcourir avec un bon départ au centre de la piste pour RSK. On est bien en deuxième position avec Elmano, accompagné encore côté corde par le numéro 1, Espoir d'Allier. Alors qu'à son extérieur, on vient avec la casaque jaune de. À l'extérieur, nous avons une Martel avec Et à vue de nouveau, alors qu'on est en antépénultième position avec Excel Quiz Touel, avec un peu plus loin Elitberg, alors qu'on ferme la marche actuellement avec Épervier Duval. Le tournant avec Iresca maintenant qui a l'avantage et qui s'est détaché. Avec en deuxième position, on a également Elmano accompagné encore par le numéro 4, Épervier Duval avec en quatrième position. Et à vue de nouveau avec Espoir d'Allier pas loin des animateurs. El Martel vient à l'extérieur avec côté corde Excel Quistoel. Il leur reste 1500 mètres à parcourir avec Iresca qui a toujours l'avantage. Avec en deuxième position le numéro 1 Espoir d'Allier. On est en troisième position côté corde avec Elmano accompagné par El Martel. Et à vue de nous est en cinquième position. On vient ensuite un peu plus loin avec maintenant côté corde Elitberg. Avec encore un peu plus loin, nous avons dernière position Épervier Duval. Il leur reste 1200 mètres à parcourir. RSK avec toujours en deuxième position Espoir d'Allier. En troisième position plutôt à l'extérieur El Martel. Elmano qui vient maintenant en quatrième position. Juste devant encore Elitberg. Accompagné par Et à vue de nouveau. Et on est toujours en dernière position avec. Il leur reste 1000 mètres à parcourir avec Iresca, avec en deuxième position Espoir d'Allier. En troisième position, plutôt à l'extérieur, nous avons toujours El Martel. On est en quatrième position, plutôt côté corde avec Elmano. Elitberg est toujours au centre en 5-6e position avec à l'extérieur toujours Elitberg. On est en avant-dernière position avec Excel Quiz de Toel et en dernière position avec Épervier Duval. Il leur reste un peu plus de 400 mètres à parcourir avec Iresca qui a toujours l'avantage. Avec maintenant en deuxième position, nous avons à l'extérieur El Martel avec Espoir d'Allier. Avec en quatrième position, on tente de se rapprocher avec Elitberg. Alors qu'au centre, nous avons Elmano avec Excel Quistoel qui est plutôt côté corde. Et on est en dernière position avec Et à vue de nouveau. Il reste 250 mètres à parcourir avec au centre de la piste. C'est El Martel qui prend l'avantage. Attaqué à l'extérieur par Elitberg. On vient complètement à l'extérieur maintenant avec Épervier Duval. Alors que côté corde, on tente de se rapprocher avec Excel Quistoel. Il leur reste 100 mètres à parcourir avec à l'extérieur toujours El Martel qui s'est détaché, qui va s'imposer dans ce prix de l'avenir. La deuxième place pour Elitberg avec en troisième position numéro 6 Excel Quistoel et en quatrième position Épervier Duval.